Monsieur Isidore, tu as une organisation. Hier, Bato Bazaki a remplacé, a coûté déjà l'organisation et Salama. Voilà pourquoi Sophie Bolandi est clairement pour comprendre que même hier, Jean Abilo Omsousou a maîtrisé le plateau. Parce que tant que Barambo est Salama, hier, ça l'a été. En 2022, quand on a publié qu'il fallait aller ouvrir les jeux, lui n'était pas là. C'est ce que les gens ignorent. Exactement. Parmi ces sélections, il faut savoir que j'ai été nommé responsable du département concours culturel, donc numéro 2 de la francophonie, il y a à peine 2 mois de cela. Et donc le temps que je devais prendre pour m'approprier certaines choses, ils étaient déjà avancés. Alors qu'est-ce que je peux dire, c'est que Vivendi, nous avions donné la charge de la cérémonie d'ouverture pour les préparatifs à Vivendi, mais nous avons aussi travaillé avec notre département pour que nous puissions y mettre des artistes qui devaient être mis en avant. C'est le cas par exemple de Bill Clinton. C'est moi qui avais choisi que, comme Vivendi avait déjà choisi Monsieur Fally Ipupa, nous devions également mettre quelqu'un qui fait danser les Congolais. Et c'était la réapparition d'ailleurs de Bill Clinton. Voilà. On s'est demandé donc, à un moment où est-ce qu'il était. Donc passé, c'était pas facile. Ouais. J'ai dû imposer. Déjà lui, pour le compte des jeux, il a échoué en termes de visibilité. Parce que posons-nous la question, Chadra, toutes les personnes ou tous les médias contactés pour relayer, n'est-ce pas, ou faire la communication, il y a jeu de la francophonie. Quel est le bilan au PC Bisson? À part notre hôtel, on a RTNT, na ma chaîne française, TV5, France 24. Maintenant, lui, étant celui qui, dans sa suprématie, avec son bon cœur, la clémence exagérée d'ailleurs, quand il a promis à faire Egola une très bonne position, un très bon emplacement, quelle a été l'organisation derrière ça? Donc tout ce qu'il a trouvé, c'était une petite table, hein, faire monter frère sur cette table-là, et puis il est fier, il passe sur un média. La plus grande manifestation, c'était l'ouverture. Pourquoi il y a un placement qui toque? Il y a un succès, il y a un bien. Pourquoi il y a un placement qui toque? Il y a un placement qui toque. Il y a une ouverture, il y a une fermeture. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Donc nous, on a contracté avec Vivendi. Mmh. Vivendi a sous-traité Loop Creative. Mmh. Et Loop Creative, on lui a donné la matière. Et dans le package de Loop, que Loop Creative a préparé, il y avait notamment la possibilité de faire une prestation d'un artiste international et d'un artiste national. Mmh. Et c'est là, dans ce package-là, il y a eu plusieurs. Ils sont entrés donc en contact avec plusieurs prestataires, pour notamment se mettre d'accord sur les cachets et tout ça. Et ils ont, parce que nous, on a contracté avec un prestataire, on lui a donné de la matière et lui, il a essayé de. Mais Fally n'avait rien à voir avec vous. Non, il n'avait, pour la cérémonie d'ouverture. Il n'avait rien à voir. Rien à voir, ni avec nous, ni avec Vivendi. Ni avec Vivendi. Non, c'est avec le prestataire que Vivendi a contracté. Lip Creative. Lip Creative. L-E-A-P Lip Creative. Fally et Ferré ne parviennent pas à dire la vérité. Qui était censé passer sur un média pour éclairer l'opinion? Si et seulement s'il était là pour éclairer l'opinion. N'est-ce pas le mot Zalaye? En lien et place, il poussait les gens à dire à Fally, bon, sortez-nous les contrats. Lui, il allait brandir les contrats. Voilà, nous, on a signé avec Hiproxy. Hiproxy nous a trouvé tel artiste. Hein. Voici la liste. La correspondance de Hiproxy est là. Voilà, nous, on a signé avec Vivendi comme organisateur des événements. Vivendi a contacté ce qui est Lips. Et Lips et Vivendi se sont dit ça. Et Vivendi nous a fait telle notification. Voilà la liste des artistes. Une organisation de grande visibilité comme la francophonie. Tant que je ne sais plus ce que tu as promis à faire, soit l'ouverture, soit la fermeture, donc c'est que Bozaki n'a une précision. Ça, c'est le côté organisation. Un artiste aussi grand comme Ferré, on te bloque quelque part en te disant attends, soit l'ouverture, soit la fermeture, tu ne dois pas bouger. C'est aussi le désordre du côté de l'artiste. Demandez à M. Isidore de visionner les préparatifs, il y a ouverture, il y a mondial. De visionner les préparatifs, il y a ouverture, il y a Cannes. De visionner les préparatifs, il y a Dubaï 2020 Expo. Yozaki na Dubaï au monde année ma sala maruna. Demandez à monsieur Isidore de visionner toutes ces vidéos là. A romona ngoza semblable na les préparatifs de Fally et Vivendi. Il est sous une pression, voilà pourquoi il cherche à mélanger la tête des gens.
ou les têtes des gens, si vous voulez. Passez sur un média. J'ai réservé une place. Fally n'a pas été contacté par Vivendi, moins encore par la francophonie. J'ai réservé une bonne place pour faire égo à l'enfermature et tout. En termes d'organisation, mais il faut avoir honte. Un monsieur avec qui je me suis vu physiquement, avec qui on a échangé comme ça, faire égo là, avec qui on a apposé nos signatures sur les trucs. Yazo signé na komona, ngana ko signé komona. Na monsieur Oyo qui n'a pas été contacté. Maintenant, les organisateurs Vivendi prendre suffisamment le temps de répéter avec les équipes contactées. Ça, c'est un. Prévoir des loges pour ces équipes-là contactées. Et au dernier réglage, parce que Fally n'était pas à Kinshasa, dès lors qu'il est arrivé après l'aéroport, exiger Vivendi direct Stade des Martyrs. Voilà ton entrée, c'est ça. Tu vas marcher comme ça. Il ne faut pas tourner les dos. Il faut faire ça. Nasuka, tout le monde, quelle est la couleur que je ne dois pas mettre? Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... C'est-à-dire un travail purement professionnel. Okiango ya bien. On à London. Merci beaucoup, la geste. Au Boussali, il est beaucoup en acquis. Je vous invite à mon concert, c'est 26 août 2023 à Londres. J'ai confiance, c'est bien loué Rasson, le roi de la forêt, solo la bien. Je n'ai jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya. Le 26 août, à Londres, la salle, Indigo. Yaya, Baya, à quoi qu'on sait jamais. Loketu le salama, moi, c'est na loketu. Blocadena, je vous aime beaucoup. Allez, communiquez, communiquez. Bloque cadena. Balobia. Tous à la Havana, tout au bout de la culture. Le 26 août, concert est en Londres. Le coup d'un Londres. Et aussi la caca. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investissement Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% Congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Ératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plantes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoréo dans l'émission là. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue très cher ami internaute, bonjour et bonsoir. Tout dépendra bien sûr de l'heure que vous allez capter cette émission de partout où vous êtes connectés dans le monde entier. Comme vous le savez, cette émission, c'est une émission qui nous informe, qui nous apporte l'actualité, la gaieté, qui nous divertit en même moment. Et aujourd'hui, dans ce cadre que nous avons improvisé, et avec un grand plaisir, nous allons recevoir pour vous Thierry Mumbaya. Je crois que c'est un analyste, c'est un confrère. Au Bolinoraming, et surtout, au Souhaitarapéming, l'Afrique et la télévision. Il y a un plaisir, 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 et à l'heure où nous parlons, le concert de Wir Ensemble Prévu, c'est 26 août, est annulé, mais l'artiste nous confirme que Arobé Taraka, Nakati Angleterre, Togolobé Langopé, autour de cette émission, il y a beaucoup de sujets au Togolobé. Alors, essayez de brancher le début à la fin. Partage au moins cette émission pour nous soutenir aussi. Demande à ton frère, à ton ami qui est non abonné, de s'abonner parce qu'il y a une actualité. Les abonnés, c'est mon mini. Merci à vous, hein, merci à tous nos partenaires. Merci à Danny Chong, le Chinois congolais, et que je souhaite déjà bon séjour à Kinshasa. Aussi à son amour, Josiane Ounine de Chandou. Bon séjour aussi, maman. Aussi, salutations au couple légendaire Marcelo, Dufna et Arla, la mère de Jimo. Et puis, merci qu'on a pu se faire monter ma vie sur et à monter ma vie la vie sur Bobelisha aussi à mon grand frère Jimmy Bella où on a pu se faire monter tout le temps là qui Bella Guiaya commanda beaucoup bah monter non pas moi là un grand merci aussi à mon grand frère Guy Bokopo le coup d'œil et rataraté bah monter Bella aussi à Nixon boutique de la même Bella grand frère Langaï et puis malgré tout au bazar connecté scotché mais mission la vie sur Lelo en tout cas il faut être concentré parce que ici, on va analyser. Aujourd'hui, il va parler, il va répondre à nos questions. Il s'agit donc de Thierry Mumbaya. Richard, t'es ça, toujours avec moi, Fongo Labisso. Avec plaisir, tu aimerais m'inviter Labisso. Bonjour Thierry Mumbaya. Bonjour Chadrin Kakangaï. Bonjour également à Léonien Soval, Labisso et Léonien. Très bien. À moi, vous m'attendez bien, moi, c'est. Yasolo. Mazavi kaka. Webige, nga nazaka kala so ilanga mtakomi mwa mwa tentir tout ça na ba badne balobaka. O mal ilanga no bo nga ilanga mwe mona ka bino. So tout on a mwa nga no se ka ndena no ba ba. Ah. Non, nga za plus côté ya ya point noir, ba maya ba calcaire wana. OK. Ba maya tout ce qu'on a côté ba océan tout ça là. Ils a appena mwa befe na ba po na bicho certainement. Peut-être ya rompe ça. Après voilà. Kuna les a été le roi Kinshasa, les a mené les macas, on est tout le temps en mouvement et puis ça fait que en une journée tu peux aussi facilement fréquenter plusieurs communes qu'on est en Moukié. Donc qu'on s'attaque tac au vide d'un tournage posongé là. Peut-être après voilà, mais aussi comme j'ai sorti d'une maladie, les a traitement tant que je bat traitement est belé après bah qui et comme soit comme son mouindo après comme on lâche. Très bien. Donc je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Voilà. Donc on peut utiliser trop Brazzaville, c'est rien de mauvais qu'on a parce que tu es bien Afrique Mobimba télévision d'ailleurs où tu zanda qu'on a rappelé l'état et ça l'aura à siège à Mamboute comme ah mais c'est comme si au comme ils exploitaient trop Brazzaville juste après car à Mambou a fallu à Babaza tout le monde a commis trop pour non bon au fait bon remarquer déjà juste après Mambou a fallu à Brazza avant Mambou a fallu à Brazza j'étais déjà là bah tu vas y binga na ça les deux mois à Brazza avant même fallu annoncer concert quand je suis arrivé à Kinshasa fallait préparer les concerts, je crois, VIP. Hein, on va habiter à 300, 500. Au moins, qu'on a beau ça. Là. Et c'est sur place qu'il m'informe que non, on habite à peine à Brazza. Mais dans ce c'est la confirmation. Mais je spot. Ce qui va confirmer, il y a posté la page. Après, il y a posté tout ça. Là. Donc, et comme il y a quand même terrain, après avoir passé moi quelques temps là-bas, j'ai compris beaucoup de choses là-bas. J'ai découvert également beaucoup de choses, mais aussi, au moins, les lots, qu'on se le disait, Chadrak, la RDC, c'est un pays de musique, un pays culturel. Aussi, toi, l'hospitalité, n'a pas de boue. Oyo, mon toi, fanda na Kinshasa. Au-delà de tout ce que les gens disent, mais mon toi, fanda na Kinshasa, à revendre n'importe où. C'est-à-dire, mon toi, à supporter Kinshasa. Kinshasa, c'est une capitale hospitalière, très culturelle, les gens sont ouverts. Mais, tu vas sous une pression. C'est-à-dire, je dois tourner ici, je dois faire ça, je dois voir ça. C'est-à-dire, dans ta tête, tu calcules, même si on a un embouteillage, même s'il faut un transport, les transports sont difficiles. On vit avec tout ça. Okay. Alors, dès lors que tu te retrouves quelque part, peu importe les vicissitudes, il y a quoi, on s'adapte sans on s'abaisse fort. Okay. Mais
Ça nous affecte aussi sur le plan médiatique. Okay. Je descends quelque part, je découvre que ah, ici, il y a également des jeunes, ici, il y a également des mouvements qui se créent, il y a également des orientations qui naissent du jour au lendemain. Pourquoi pas qu'on s'acclimate nango et puis qu'on s'est familiarisé nango. Okay. Par exemple, actuellement, il y a un jeune rappeur, Patern Maeso, qui est beaucoup plus dans le freestyle. Il a créé, ils ont moins mingi que awa. Chaque mouvement, tout artiste, hein, c'est comme à l'américaine, il y a une base. Okay. Ba base wana ba kuta na ba organiser ba freestyle ba tara ba baffle ba jeune ole ka sa mon morceau na ye et c'est filmé et diffusé sur internet. Il y a même ba brassicole ba comment pour accompagner ce genre de projet. Okay. Mais ces jeunes là, lui il a démarqué ça il s'est démarqué par sa façon de faire. Base na bengo baseron on ba to ba génération 90 ti mata ba 90 ou 90 ou 89 ti kolo après na 2000 langage mo comment ko kota na kintwana lo ba peuple mo bon lo ba baron na souka lui il a récupéré ça il s'est identifié avec et ça lui que base na est comme un peu différente na ba base ba to mususu et ti avec l'avènement ya mouvement MC Baba le loyo suspect 95 était à Brazzaville, il est passé par là. Didi B qui est le numéro 1 actuellement pour ce qui est du rap ivoire, il est passé par là. Il y a Fior de Bior qui venait d'annoncer également dès qu'il sera sur Brazzaville, il va passer par là. Donc ça crée un mouvement. Aussi un congolais comment il s'appelle encore Ouattara Masque quoi ça Red Voice avec Vanny Morgan voilà au moins là vieux roga légende malgré Péwan. C'est à dire quand il préparait son stade à l'égard Parouane et l'ingé collection aux yeux de tous que non les jeunes n'est plus à négliger bien que la logique veut que Batoba Bimsaba freestyle kakate mais Bimsaba son bah clip bah avancer dans ma carrière bah album mais lui il s'est identifié de cette manière là ça crée un mouvement aujourd'hui ça donne à tous les coups. Pourquoi pas accompagner ce genre de personnes? Voilà pourquoi moi, à Brazzaville, j'ai la facilité de côtoyer Etidiane et Diesel Gucci. Okay. Alors que sur le terrain, il y a un adversaire. Tout à fait. D'ailleurs, on a pensé mon beau Etidiane actuellement, je ne sais pas s'il est déjà de retour. Azaki na na Sénégal. Diesel, je pense qu'il doit être en Europe et puis revenir pour le stade Félix Ebo qui arrive. Moi, on a déjà 100 albums, mais Diesel qui annonce un stade, Tidiane qui annonce un stade dans la fin de l'année, Massamba Déba. Et c'est comme ça que ce mouvement m'a inspiré. Je me suis dit, pourquoi pas rester ici ou faire Brakino, quoi, Brazzaville, Kinshasa, et accompagner ce mouvement. Ah, d'ailleurs, moi, je pensais que d'ailleurs, quand on a... Initiative ya toye ba Congo ya ngo s'installer ngo. Te toye ba Congo pe beta rapport aux toye ba Congo ya mona kendara. Na mo ba recoin mo bo mona ke na mo glacier de sel na ke faire découvrir bateau. Parce que moi j'aime bien le tourisme. Ya ngo mona za tout temps quand je suis à Brazzaville, même ba ngo ba za du mal au situé nga. Très bien. Mona tantôt tu es dans le nord, tantôt dans le sud. On se voyage tout le temps pourquoi? Ça c'est ma vie même à Kinshasa bateau dans un ba yabiki. C'est difficile pour moi de faire un mois sans voyage. Très bien. Donc c'est vraiment pour cette raison là majeure que je suis à Brazzaville. Très bien. Merci beaucoup Thierry Bombaya, c'est l'entrée de cette émission. Je pense que Batou Baza est mis à Romain dans le long de l'Afrique et la télévision. Vraiment. Alors, on va parler de ce qui a été au stade des Martyrs. Le 12 août, l'artiste Félix Oisé qui avait promis de se produire au stade des Martyrs, qui a promis au cultivé, bah, fanatique Naé, puis bah, mélomane et bonne musique, qui a Kobeta. Alors, dans l'ensemble du tout, on m'a dit production, on a comment? Et puis, par rapport, il y a. Il y a Maman O, artiste à Prometa, qui aura un très très bon spectacle. Aussi, musique à Malamou, malgré côté à plein. Déjà, il m'a dit qu'il y a aussi un plainté, à peine après sa plainté. Mais quand même, dans ses vidéos qu'il avait fait juste avant le concert, où il a dit qu'il y a déjà 100 000 billets dans son ensemble. Qu'est-ce que tu vas dire à ce qui concerne la production de Félix Oisé au stade des Martyrs? Pour moi, je réitère ce que j'ai dit depuis un moment. C'est un pari gagné pour Félix Oisé, quoi. Okay. Parce qu'il voulait d'un stade, il a eu son stade. Parce que, réfléchissons un peu. Okay. Les soucis de Félix Oisé, quoi, c'était donner une autre image, enfin, de donner une autre image par rapport à ce qui se disait sur lui dans notre pays. Non, lui, il ne pardonne pas. Bon, après, selon ce qu'il disait lui-même avant, Isaki, même les artistes qui quittaient Kitura, ils auraient toujours le même discours. Que non, viens, n'espère même pas un retour. Okay. L'animateur, comment il s'appelle? Jessac Koutoussima. Oh, Nagi n'a fait ça, Nancy, comment il s'appelle? Merci Mouana. Tant qu'il y a le barango, vu en attendant le belanga, quand il y a le longi, c'est fini. Bah, genre, c'est les autres. Bah, non, tenir le même discours. Mais aujourd'hui, quand Félix a fait appel à Jessac, Bajos,
bah Sudden Play et autres les bazons et baronniers soir ça donnait une autre image de Félix Oisé quoi quand on a vu Félix Oisé quoi à nouveau avec Kofi les gens se sont dit ah ok là maintenant on peut maintenant on peut facilement croire que les imbéciles ne changent pas. C'est-à-dire, il a son passé, mais à l'heure actuelle, il s'est décidé de donner une autre image de lui sur terrain. Mais naka tu vois, tant que je suis en train de faire un stade de martyrs, je suis en train de faire un stade de martyrs, je suis en train de faire un stade de martyrs. Et moi, c'est important. C'est-à-dire, vous n'êtes pas indispensable pour moi. J'ai la possibilité de m'en passer de vous. C'est-à-dire, vous avez un bloc à soukanangate. Mais organiser un concert dans le stade des martyrs, c'est pas moins de 200 000 dollars. Okay. Un concert dans le stade des martyrs, c'est pas moins de 200 000 dollars. Et puis tout frais inclus. C'est-à-dire que ça va être plus que là. Mais je me limite qu'à 200 000 dollars. C'est impossible. Donc, observez les concerts de Félix Oisé. Il y avait combien des annonceurs, combien de sponsors. Il y avait Cafricel. Au hasard, moi, mon toit, Paul, monsieur, il y a un individu qui a été en poche. Donc, plus de 200 000 dollars à Tsango Kuna Porto Nisane Stade. Mais, après que vous avez 50 000 dollars, à son 10 voitures, il y a 5 000 dollars. Après ça, on va musicien, on va danser. Ok, très important. À préférer dépenser plus de 200 000 dollars pour un stade vide, au lieu de prendre 50 000 dollars, acheter 10 voitures de 5 000 pour ses chanteurs et danseuses. Ça prouve la priorité dans les Alaïwa. Priorité dans les Alaïwa qui habitent à stade des martyrs. Ezalampiakate, etonda, moi, je vais livrer un concert. Donc, comme il s'est livré sur scène, il a livré son concert, je pense que c'est un pari gagné pour lui. Pendant que nous allons nous attarder, tergiverser autour à plein ou pas plein, et la mawana, bakosie, pas bière, naye, oh, ce qui n'est, tout ça là. On a comme l'impression qu'il faut s'attarder sur le côté réalisme. Lui, il a son côté où il perçoit les choses à sa manière. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté dans la carrière d'ailleurs en tant qu'analyste? Tant qu'on a un stade à modèle où on a presque vide, ils ont apporté ni la carrière d'ailleurs. En tout cas, à part Koko Tanana, la Batoubabeta dans le stade, je ne vois rien d'autre. Hein? Je ne vois pas. Après, bon. Dans chaque domaine, il y a les dessous des cartes qui existent aussi. Peut-être que nous avons un nom, lui, il sait de quoi il a bénéfique pour nous. Ou de l'air, pour qu'on analyse. Pour ceux qui sont sur le plan business, aujourd'hui, la musique, c'est un business à part entière. On monte tout le temps, il faut faire ça. Donc, soit si par exemple 200 000 dollars, on sous-entend que les billets doivent être vendus et que les gens viennent pour ton image. L'image, tant que tu as un drone, tu as plein, tu as un nom, tu as un stade à Wenge, tu as stade à Wera, JB, tu as stade à Réunification, il y a Ferré, il y a Fali. Ça fait les beaux. Mais aussi, au-delà d'être beau, ça vend l'artiste. Imaginez un concert plein, plein. Et tu es carré image artiste. Mais ça fait aussi appel à un tourneur. Tout à fait. Tu as un tourneur, tu as un tourneur. Retenez la date d'aujourd'hui pour la première fois en émission. En 2024, les artistes qui se sont produits en 2022 et 2023 au Stade des Martyrs vont revenir encore. Okay. Et cette fois-là, ce sera un peu plus grand que Obautu Sala. Donc Fali aussi va arriver. Il y a Fali, il y a Ferré, il y a Héritier, il y a Félix Oisé. Quoi. Ils vont revenir au Stade des Martyrs. Pour nous, bêta, les bêta, bah, concert, Moussoukouna, et cette fois-là, ils sont encore plus grands. Plus grand terme d'organisation, plus grand terme de structuration, plus grand terme d'accompagnement. Ce que vous allez faire, il aura beaucoup de gens autour de lui, qui vont accompagner les mêmes personnes qui se sont dit « Toyate ». Parce que, pas pour moi, il y a un plein, mais parce que, bateau va organiser, concerné, vous allez être expert au-delà, bateau va salaire des ordres. Fallait le roi, il y a un tourneur rebelle, un annonceur rebelle au tourneur, peut-être qu'il y a une visibilité au-delà d'Afrique. Pourquoi? Parce que l'image qui est partie, l'image qu'ils ont renvoyée dans le stade de Nabango, c'est une très bonne image. Maintenant, en termes d'image, est-ce que l'image de Wanekope, ça peut nous proposer à Beta Stade avec autant de vide dans le stade? Je ne pense pas. Business. Est-ce que un bon Yabimisa qui peut nous apporter ça? Je ne pense pas. Vu à Beta Lebso Masolo, comme quoi, a été déjà 100 000 billets. Bon. Le quoi, tout ça, dans le Oyo, les numériques ne fonctionnent pas. Les lots, quand on te parle de Bercy, Olympia, Paris, la Défense Arena, Accor Arena, Bablo Kwananyans, tout. C'est numérique. Au côté d'un site, il y a un talis, il y a un billet, il y a une place, il y a une place ici. Il y a une place Oyo.
C'est-à-dire tu as la liberté de savoir que n'est toi qui n'est boué et tu as les 100 billets au son maman avant et si là. Oui, qu'au son maman, il y a une ligne d'attente et ça. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Okay. Donc, ah ouais, il suffit de dire que j'ai vendu 100 000 billets, tu peux décourager d'autres personnes. Félix Oise quoi, est tellement intelligent. Mais il a joué avec ça. Okay. Donc, c'est que son souhait, ce n'était pas de faire un plan. Okay. Mais Azouara concerne. Et puis voilà. Donc, moi, je pense en termes de satisfaction personnelle. Lui, il a gagné. Ça a été le cas pour lui. Mmh. Mais en termes de satisfaction de l'industrie, du système, c'est... Ils en ont assez à moyenne. Okay. Donc, son moyenne est à 5, c'est qu'il y en a 4 ou 3. Merci beaucoup. Je pense qu'analyse Nayo, bah, tu vas se payer l'amour. Et on va parler aussi de l'annulation des concerts de Weeranson, qui devrait déjà se produire ce 26 août au niveau de l'Angleterre, plus précisément à Londres. Concert Nayo, ils ont annulé. Tout le monde a la page SNACIT officielle, il y a Salouana. Et l'artiste devrait se produire, je crois, dans la 2800 places, si je ne me trompe pas, à l'arabe Taruna. Mais tout le monde, brusquement, comme deux semaines avant concert, annulé concert naïe, où Weeranson insiste dans une vidéo live qui est à Robé Tarakana Londres, mais certainement, il va changer de place. Système Wana Oyo, Lelo et Sali qui va annuler concert à Weeranson. Et là, système Nini. Système Oka qui est sur billet, t'es comité, ça les en a droit à quoi annuler. Tel est le cas. Il y a concert, il y a, je crois, il y a Maître Gims, ou Alinabet, si je ne me trompe pas, dans U Arena, aussi à Kofi Olomide, qui devrait aussi se produire dans U Arena. On a évité Thierry Mombaya, tant au moins cas, il y a Weeranson, tu t'es dit quoi? Bon, après moi, on va dire beaucoup de force à Weeranson, hein, parce qu'ils ont fait leur temps. Aujourd'hui, c'est une autre génération qui a vu les jours. Aujourd'hui, c'est d'autres artistes qui émergent, qui avancent. Mais je pense qu'on doit aussi veiller à ce que nos repères basent là. Okay. Pourtant, tu as dit que tu as dit que voilà, moto aya qui après a comment dit awa. Mais tu as gardé quand même ba repère. Wana. Dans notre pays, nous avons vécu sous ce système-là, il y a qu'on normalisé ba repère. Nous avons dit que l'ancien président a raté. C'est à peine de te normaliser que Kabila vende à côté ou Tshisekedi de vendre à côté. Pendant que tu as aussi si carrière, na yo, aussi si mandat politique, na yo, tu meurs. Mon sou soit remplacé. Il en est de même. Et comment qu'il paye le même système dans les milieux, n'est-ce pas, il y a culture, on a biso. Mais aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, ce n'est pas aussi seulement parce que Weeranson est là, il doit être là. Mais l'autre problème, au niveau de M. Sezali, le vieux Nabiso n'est pas limité que même le système est alterné. Tout le monde est là, tout le monde est là. Et dans le domaine, il y a qui sika, soit tu t'adaptes, soit tu te déclasses toi-même. C'est le vrai problème qui se pose. Alors, dès lors que vous touchez à ces problèmes-là, ça commence à inciter les gens à insulter au lieu de s'impliquer. Okay. Parce que les lots, qu'on se le dise, Chadrak, les systèmes de vente, il y a Londres, il y a France, c'est un système numérique. Alors, comptez-vous faire la promotion analogique pour un système numérique? C'est irréfléchi. Combien de fois Weeranson a fait un post avec les liens et à vente à billets et à booster hein? Combien de fois? À part faire des vidéos qui tournaient presque partout. Combien de fois Weeranson et son système ont réalisé un système là où on va short vidéo où on explique aux fanatiques comment acheter les billets en ligne? Aucune fois. Parce que quand il postait ces short vidéos-là, dans ma page, il expliquait les Marocains, je vais jouer, les Français, je vais jouer, tout ça là. C'est bien. Mais dans la chaîne, il y a une page, il y a un lien. Mais quand tu as copié ma vidéo, il y a un autre lien. Ça ne profitait pas à l'artiste. Celles, les vidéos, il y a moi, il sait que ça va, tout ça là. Mais en résumé, ça ne profitait pas à l'artiste. Okay. Bon, entre temps, entre mœurs, comme on dit, c'est déjà arrivé. Fabrice Salaran a concert en France, tant qu'on est invité à Paris, tant qu'on est invité à Guenène à Lyon. À Louké, espace mot, le plus important pour lui, c'était de jouer seulement. Mais quand vous construisez une république de l'essentiel, l'essentiel, car Kabanabalia, l'essentiel, car on a se déplacé, moi, je suis un bon monnaie, à Louké, palais. Mais à Komina, on a quoi? On a que, enfin, on a moi trois chambres salon, tout ça là, standing, mon robot. L'essentiel, c'est aussi une forme de médiocrité. Okay. Et il est temps que les artistes et les musiciens soient dans le système.
Je vois mal un Werenson après plusieurs années de conquêtes, succès, réussite et victoire face à un défi musical à qui on s'est rabaissé dans Babylon. Okay. On s'est rabaissé pourquoi? Parce que tout était mal organisé. Ça, on doit se le dire. Tu annonces un concert, la billetterie s'ouvre, mais les gens n'achètent pas. Et vous vous attardez sur la polémique, il va jouer. Un artiste professionnel voit d'abord l'évolution de ses billets, sachant qu'aujourd'hui, il y a un système, ce que vous avez bien été, les producteurs, en collaboration avec les détenteurs, il y a un droit pour la salle, l'assurance, il faut annuler. Afin que vous êtes dans la zone, vous avez une possibilité d'annuler. Il ne faut pas annuler. Okay. Et ça, là, ce n'est pas important, si important que ça. Mais aussi, en termes de conquête, bata français, bata l'obaka, mieux vaut reculer pour, il faut reculer pour mieux sauter. Bah vieux, bah comprendre qu'ils n'ont pas su conquérir la zone anglophone, on a droit à l'Angleterre, on a l'Australie, bah bête à Kunate, on a pays où on a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bah reculer. Werenson avait prévu un concert en France. Et en bête, je crois que c'était un zénith de Paris sur la Bosnie. Oh, fallait qu'il y ait bah Dinara et les autres, bah ouais, copier ses visas. Ouais, à qui en Angleterre a eu visa, bah PC à qui a bêté concert mon Kunate en zone. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réchauffer la communauté. Azunina Olympia, Azunina Zénith. C'est-à-dire, les reparcours de Werenson, vous dénommez une tournée de Bongo. Vieux Penassal, une très bonne promotion. Les reparcours. Azunina Bano reparcourir Ndela Naya Lekana. Aïen Élysée Montmartre, Betty, n'a pas été sur Bassal Moussou Ezalara. Un des trois noms, LSC, Élysée Montmartre, n'a pas été sur Ezalara. A l'équipe Bassal Ouana, Aïe Olympia, Zénith de Paris. Vieux Aïe Bete, Bercy Moussou, nouvelle configuration. Parce que qu'on se le dise, depuis, Bercy a la trentaine et comme la quarantaine de places, c'est l'artiste musicien congolais qui a fallu. Et comme à Arena, et comme hôtel à Cor Arena. Bon, on a une trentaine de configurations. Donc, vieux soga yéwana, à l'axe génération, il y a une bino, na bétina yaba petit à l'élo. Vieux temps, on chauffait France pour yaba belé naye, abano traverser soit Angleterre, à qui Suisse, pourquoi pas. Mais, tellement comme ma musique comme le défi mon groupe bah occupé génération T le quoi génération bah ma ma zone anglophone bisope kuna. Okay. Et voilà les conséquences, vieux est obligé non seulement de ne pas assumer que le concert est annulé pour le simple fait que bah billet était kamaté, mais il a du mal à dire que le concert est bête à ma peine à salle ouanate. C'est à dire salle a posté que le concert est annulé, mais il n'a pas changé lobby, ne vous laissez emporter t na bato ba mité ma mabé ba ne. Qui est détracteur? C'est la salle, les producteurs ou lui-même? Parce que c'est qui un détracteur? C'est celui qui te fait du mal. Okay. C'est celui qui répand les mauvaises nouvelles sur toi alors que la réalité est autre. C'est lui ton détracteur. Maintenant, la salle a répandu une information comme quoi le concert est annulé. C'est la salle qui est contre l'artiste ou comment? Donc, il faut à un moment donné que les Congolais tout biman système nabiso. Okay. Système moi nezo comme c'est sur le roi moi babado net moi batou maile à moi moqué alors que les Congolais sont intelligents. Très bien, merci beaucoup. Je crois que vous étiez au top dans l'analyse. Oh batébélé barota là batébélé on met tout ni ça ma qui baille bah qui a annulé le concert de Werenson et pourquoi le concert de Werenson est annulé. Je crois aujourd'hui rapport ce moment aussi parler quand même de l'éclairage que nous a donné le directeur général de l'organisation de la francophonie, Monsieur Isidore Kwanja, qui est venu éclairer l'opinion à ce qui concerne les 9e G de la francophonie et surtout aussi les nuits de la francophonie. À ce qui concerne la production scénique des artistes et musiciens du côté culturel, Tomoni, il a donné l'éclairage que dans l'ouverture, les artistes qui ont été contactés là-bas, ils étaient contactés par Vivendi, mais ils ont signé un contrat avec Lib Creative. Donc, c'est-à-dire que c'est Lib Creative qui ont signé les contrats avec les artistes Obal, Ben Saki, on a tel et tel cas, de Fali Poupa et Bill Clinton, aussi Barbara Pravi. Comme quoi, que artiste international, na artiste national. À l'endroit où tout le monde est vraiment enseigné, Fali Poupa, il a mis ce contrat, au signal qui n'a Vivendi, ce qui Vivendi réellement, Mouta Ben Saki, surtout. On a Maramouana et Alpha Omega, comme quoi que l'artiste devrait se produire et à l'ouverture et à la fermeture. Et c'était le cas de ça. Et ça, il fait rigolo, il a dit ça lui-même. À faire on a Alpha Omega, et créer une polémique, voilà, l'artiste s'est retiré. Et comme il avait promis à faire des jeux soit à l'ouverture, soit à la fermeture, il a dû créer. Et pour dire mon corps va créer tant mon corps on a fait rigolo à bêta la cérémonie à ouverture. Mais si on va rester à ce qui concerne Mamouya Vivendi,
aussi libre créatif bah tu vois comme il tourne libre créatif tu vois libre créatif si je ne me trompe pas tu vois qui en côté mais surtout il y a Vivendi des moteurs organisés événements il y a ouverture il y a francophonie il a aussi dit ça que l'artiste les artistes ont signé avec libre créatif libre créatif né Ezali sous traitance il y a francophonie alors il y a Vivendi j'allais dire alors Fally a signé les contrats avec un sous-traitance Neme Miena Vivendi pour Basala plutôt a signé contrat avec Vivendi ne Vivendi tindi la sous-traitance wana to a signé la sous-traitance wana après Neme Miena Vivendi ba tuba komi na moi perturbation et quel est l'intérêt de ces directeurs de vouloir passer ces messages à la télévision. Merci Shadrach, je pense qu'aujourd'hui cette histoire de la francophonie normalement tout ce que nous allons garder comme souvenir, c'est peut-être ce que nous sommes en train de voir ici en face. Ningi Tata Raphaël est comme Iboué, il a un logement à Kati, est comme moi à Kitoko, pelouse synthétique à Sika, Ningi Ipen Babongisi, Ningi Unikin Babongisi. C'est tout ce que nous allons peut-être garder comme souvenir après 5, 10, 15 ans, il y a francophonie. Mais souvenez-vous, si tu dis à un Kinois ou un Congolais, Ali Bomaye, Aibiango. Mais si tu dis ça aux personnes qui ont vécu, toi, tu suffisamment outillé, toi, moins cultivé, à que c'est les combats d'Ali et George Foreman. En principe, dans la boxe, tu as boum. Tu as Ali boum. Donc, c'est-à-dire, adapté à Bété Bamako. Et puis, tu as adapté à Ali Boumaye. On a gardé un souvenir alors que c'était en 1974, combat de Bundama. Biso tout à l'heure. Imaginez. Mais si biso bato to botami après ça. Tu yebi ki na stade 20 mai roma tata Raphaël, ezala ki na combat mo Bundama voilà Ali contre Foreman, ezaki finale la championnat ya du monde, Mobutu a délocalisé ngoy ko Bundisa awa. C'était une forme de mettre sous les projecteurs mondial, n'est-ce pas, l'image de la République du Zaïre. Mais aujourd'hui après la francophonie, les messieurs tout fièrement, ils passent sur un média. S'il doit vraiment nous faire les bilans de ces jeux de la francophonie. Qu'est-ce que les gens retiennent de ces jeux? Parce que lui, il n'est pas organisateur des nuits de la francophonie. Il doit d'abord commencer par le dire. Il est organisateur des jeux de la francophonie. Enfin, le commissaire, si vous voulez. Okay. La première des choses à faire, c'était ces soucis-là, de faire les rapports sur les jeux. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que même lui aussi, il veut surfer sur l'actualité. C'est peut-être que les questions qui lui ont été posées par les journalistes. Mais après, je pense que tout professionnel aujourd'hui est censé savoir que l'émission se prépare en amont et non sur les plateaux. Donc normalement, on sous-entend que les journalistes israéliens ont tiné là qui est note. Que non, tu es un peu, voilà pour Naboué, pour Naboué, pour Naboué. Tant que tu as tiné le note, tu es un peu. La priorité est à jeu de la francophonie. Organiser les jeux, plusieurs disciplines, mais bébé, bébé. As-tu vu les journalistes poser les commissaires une question du genre pourquoi athlète à Brazzaville va aller à Namoutou quoi? Jamais. Alors que les questions qui étaient censées préoccuper les commissaires, yangoana. Les questions qui étaient censées préoccuper les commissaires, on a organisé jeune amour kananga, lourde responsabilité ba pesinga, mais ba tu ba aussi juste en face ba yé, ba lali na mutuka premier jour. Est-ce qu'à tout d'un coup bilan sur les images qui ont circulé presque partout, ba doc toi résume moto. Aucune question est entrée avec ça. Donc c'est un jeu entre des potes qui se dit bon après voilà. On doit créer une émission là pour bouger un peu la toile. Pour l'objectif à atteindre dans une émission ou une interview, ils allaient répondre aux questions. Mais quand on répond aux questions, ce n'est pas aussi pour donner naissance aux sous-questions. Si M. Isidore était si précis et clair dans son élocution, on n'allait pas revenir avec des sous-questions ici. Déjà, quand il dit la sous-traitance est passée entre. Et Lip, ce que Lip n'a vu Vendi. Maintenant, qui était au centre de la négociation, Anna? C'est la vraie question qu'il faut poser. Mais ce qui ne se dit pas, c'est quoi? Lui, il a trouvé la locomotive en train de marcher. Il était un tabanègue à l'organisation de la francophonie. Monsieur Isidore était un tabanègue à l'organisation. Il y a remplacé, à côté déjà organisation et Salama. Voilà pourquoi ce qui est clair, c'est clairement pour comprendre que même les gens qui ont maîtrisé le plateau. Parce que tant que les gens qui ont été,
En 2022, quand on a publié qu'il fallait aller ouvrir les jeux, lui n'était pas là. C'est ce que les gens ignorent. Sinon, même les journalistes, s'il était vraiment un professionnel, il allait poser une question, une question jointe. C'est-à-dire, opposer question et entrer avec l'image qui circulait déjà sur la toile. Okay. Comme quoi, en 2022, les pages officielles ont posté, et Instagram et Facebook avaient posté comme quoi c'est Fally qui allait ouvrir. Et tous ces changements, ça l'a mis depuis quand? Contre le Bosso Boavorta qui a... Bote na bino nyonso bisika bozali. Nanzela ya bilili oyo, tobe temoli solo muke ya oyo etali milulu minene oyo babengi na lopoto, le grand salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Salon de l'emploi pe entrepreneuriat, ezali milulu minene oyo ebongisami na entreprise ya Combo, groupe Héritage Investissement. Nasima ya programme nango, initiative emploi pour tous. Ezali esika oyo ebongisami pona kokutanisa bino na ba société oyo eza kozwa bato na misala. Et ça, la mifo na kopesa biyano, na metuna oyo etali makambu ya misala na mboka. Milulu oyo, etali batu nyonso, bae basalaka, pe mingi mingi na batu oyo bazali koluka misala. Milulu oyo tobengi salon de l'emploi, et kosala mamokolo ya le 1er kino le 3 septembre na Université Académie des Beaux-Arts. Pona kozwa biyano oyo etali salon de l'emploi pe ya entrepreneuriat, bokoki kokomela biso na nzela ya Facebook, TikTok, Twitter pe Instagram. Donc, on a un numéro où ils allaient être en train de se faire. Initiative emploi pour tous, Libakouma, là, mon bon abyssonios. Ah, tu es à l'année. Et surtout que plus loin. Ici, je veux simplement faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de sérieux dans cette émission-là. Okay. Et je m'assume. Okay. C'est un deal comme quoi, voilà, je vais passer pour me blanchir. Parce que je réitère, là, on a entendu que le papa Valdi. Ce qui est IGF, c'est l'inspection de la francophonie. Et l'inspecteur, y compris. Parce qu'il y a eu un détournement des hautes factures dans cette histoire-là. Ah bon? Je t'ai dit. Je t'ai dit. Posons-nous la question. Pourquoi on a seulement demandé. L'artiste, enfin, le monsieur s'est arrêté sur Ferré et Fally. Pourquoi il s'est attardé beaucoup plus sur Ferré et Fally? Alors qu'il y a eu Gims. Alors qu'il y a eu Wata, Fabregas, Ferregol, Werenson, J.B.M. Piana. Mais aussi au-delà, il y a Nui, récemment, qui n'a pas eu du peuple. Dans le cadre qui a agrémenté la soirée, Ibrator Piana s'est produit à un stade de martyrs dans l'esplanade d'Abro. Nono Fuji s'est produit dans l'esplanade d'échangeur à Lemba. Pourquoi il n'a pas fait mention de tous ces artistes-là? Parce que même lui, le monsieur qui est passé, comme quoi, c'est moi le responsable numéro un, ne maîtrise ni les tenants, moins encore les aboutissants. Donc tu te retrouves quelque part, le train avancé déjà. Tu prends la direction, tu commences à conduire. Avancer, avancer, avancer. Bilo M. Zo Lekana a été signé depuis. Donc a été signé avant son arrivée. Justement. Voilà pourquoi mon histoire telle émission en a avec objectivité. Pour comprendre ensemble avec moi qu'il n'a répondu à aucune question. Lui, par contre, il est venu se nettoyer. Et puis, remettre la responsabilité aux concernés. Alors que, là où, par exemple, Fally et Ferré ne parviennent pas à dire la vérité, qui était censé passer sur un média pour éclairer l'opinion? Si et seulement s'il était là pour éclairer l'opinion. N'est-ce pas, Ngoz Alaye? En lieu et place de pousser les gens à dire à Fally, bon, sortez-nous les contrats. Lui, il allait brandir les contrats. Voilà, nous, on a signé avec Hyproxy. Hyproxy nous a trouvé tel artiste. Voici la liste. La correspondance de Hyproxy est là. Voilà, nous, on a signé avec Vivendi comme organisateur des événements. Vivendi a contacté ce qui est Lips. Et Lips et Vivendi se sont dit ça. Et Vivendi nous a fait telle notification. Voilà la liste des artistes. Mais, bon, comme ma place, comme une blague, j'avais promis à faire soit l'ouverture, soit la fermeture. Pendant que vous avez signé avec les prestataires pour basoir l'artiste. Donc, ce n'était pas à toi de promettre à l'artiste. C'était au prestataire de promettre aux artistes les dates. Donc, c'était la responsabilité des prestataires d'établir un calendrier comme quoi Ferré va faire l'ouverture, Fally la fermeture, Inosubi le troisième jour, je ne sais pas moi, Héritier quatrième jour, ainsi de suite. Tu prétends dire que c'est au prestataire de prouver les contrats, mais quand il s'agit d'un autre artiste, tu dis, on m'a prometté que soit l'ouverture, soit fermeture. Noir sur blanc, c'est de la blague. Okay. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, une organisation de grande visibilité comme la francophonie,
Tant que vous savez ce que tu as promis à faire, soit l'ouverture, soit la fermeture, donc c'est que vous avez une imprécision. Ça, c'est le côté organisation. Un artiste est aussi grand comme Ferré. On te bloque quelque part en te disant, attends, soit l'ouverture, soit la fermeture, tu ne dois pas bouger. C'est aussi le désordre du côté de l'artiste. Bon. Dans le lobby, ce n'est qu'une blague entre deux citoyens, bah, c'est décidé par les médias. C'est vraiment de la blague. Okay. Parce qu'ils n'ont donné aucune réponse précise par rapport aux préoccupations des gens. Si ce n'est de demander à Fally de sortir les contrats. Partant de cette direction, il faudrait maintenant là, tout le monde va contrôler, il va signer contrôle, va signer un prestataire. Et il va signer un tout le monde. Il va signer un entrer dans le budget. C'est-à-dire, vous avez donné combien pour tous ces artistes et puis vous avez donné combien aux prestataires. Parce que déjà, au lieu d'engager les prestataires, vous créez la sous-traitance. Okay. Un engagement et une sous-traitance, tout le monde va différence. Ça, c'est le premier point. Okay. Le deuxième point, qu'il nous montre. Bon, on va jouer combien, puis on va foutre maintenant combien pour les gens. Bon, ils ont prévu pour l'artiste. Au moins, il y a eu un détournement là. Voilà pourquoi Balingi va créer ce désordre, cette distraction, pour permettre à tes batbols quand on s'est posé la bonne question. Okay. Déjà, lui, pour le compte des jeux, il a échoué. En termes de visibilité. Parce que posons-nous la question, Chadra, toutes les personnes ou tous les médias contactés pour relayer, n'est-ce pas, ou faire la communication. Il y a jeu de la francophonie. Quel est le bilan au Bapesibiso? À part notre hôtel, on a RTNT, on a ma chaîne française, TV5, France 24. Quelles sont les structures au Bapesibiso, ne serait-ce que l'élément est condensé pour nous expliquer, voilà, faire par exemple les profils, les focus sur chaque médaillé à Congo. Est-ce que lui, il s'est posé déjà des questions? Qu'est-ce que les gens, les Congolais, gardent comme souvenir? Non! Non, et dans un pays comme le nôtre, on a pu normaliser, ouais, le monsieur a raison. Parce que le monsieur aussi a compris qu'il y a un très grand mouvement sur le terrain, il y a fanatisme. Et on n'ingi sa bateau, et on a emporté bateau. Maintenant, on a profité, on a pour camoufler. Ainsi, nous allons tous nous mélanger dans cette boule à polémique. Personne ne va poser des questions sérieuses. Si le monsieur a suffisamment les données qu'il ose passer sur un autre plateau. Mais comment il a fait rigol à se retrouver au podium les 6 août à la place de Fally Ipupa. Alors que lui, il a dit qu'il avait trouvé une bonne place pour faire égo là, à la cérémonie de la fermeture. Il a dit aussi que agence Eproxy et MBC là qu'il fallait l'ouvrir pour la raison où il y a quitté, motif mort, il y a ébité. Alors que l'artiste est en lettre où il y a comment qui a tagué motif suite au changement des programmes. Donc, bah, changement au programme, et c'est pour ça que l'artiste était dans la vision. Il y a un artiste à se retirer qui. Et maintenant, la question se pose, comment faire rigole à se retrouver à l'espoir du palais du peuple? Déjà, ça là, c'est une très bonne question, Chadrak. Je collabore avec toi, il y a un sous-traitant entre nous deux. J'écris à ces sous-traitants comme quoi je ne suis pas satisfait par rapport à Nengeto Kaneki, vous n'avez pas respecté les règles et consorts. Voilà, je démissionne. Les traitants te font un rapport. Parce que normalement, ils sont censés te faire les rapports sur tout changement. Ils te font un rapport comme quoi un artiste s'est déclassé. Mais les raisons, tu es habité. Toi étant les commissaires, qu'est-ce que tu es censé faire? Appeler. N'est-ce pas envoyer soit les gens vérifier ou inspecter sur terrain? Papa, qu'on ne se voile pas le visage. On a tous compris que le monsieur est sous une pression. Il est sous une pression. Voilà pourquoi il cherche à mélanger la tête des gens. Ou les têtes des gens, si vous voulez. Okay. Passer sur un média. J'ai réservé une place. Fally n'a pas été contacté par Vivendi, moins encore par la francophonie. J'ai réservé une bonne place pour faire égo à l'enfermature et tout. En termes d'organisation, mais il faut avoir honte. Un monsieur avec qui je me suis vu physiquement, avec qui on a échangé comme ça, faire égo là, avec qui on a posé nos signatures sur les trucs. Il y a un signé à Koumona, il y a un signé à Koumona. Un monsieur qui n'a pas été contacté, mais tout le monde, les organisateurs Vivendi, prendre suffisamment le temps de répéter avec les équipes contactées. Ça, c'est un. Prévoir des loges pour ces équipes-là contactées. Et au dernier réglage, parce que Fally n'était pas à Kinshasa, dès lors qu'il est arrivé après l'aéroport, bah, exiger Vivendi direct Stade des Martyrs. Voilà ton entrée, c'est ça. Tu vas marcher comme ça. Il ne faut pas tourner les dos.
il faut faire ça. Nasuka tout le monde, quelle est la couleur que je ne dois pas mettre? Il ne faut pas faire ça, il faut pas. C'est-à-dire un travail purement professionnel. Demandez à M. Isidore de visionner les préparatifs, il y a ouverture, il y a mondial. De visionner les préparatifs, il y a ouverture, il y a Cannes. De visionner les préparatifs, il y a Dubaï 2020 Expo. Yo zaki na Dubaï umuna ndema amusa la makuna. Demandez à M. Isidore de visionner toutes ces vidéos-là. Aromo na ngweza semblable na les préparatifs de Fally et Vivendi. Un Fally qui n'a pas été contacté par lui, qui n'a pas été contacté par Vivendi, moi encore celui par Epoxy, celui de tout ça là. Mais avec autant de professionnalisme, avec les agents, Vivendi sur place. Maintenant, lui, étant celui qui, dans sa suprématie, avec son bon cœur, n'a clémence exagérée, naïe, quand il a promis à faire Egola une très bonne position, un très bon emplacement, quelle a été l'organisation derrière ça? Donc, tout ce qu'il a trouvé, c'était une petite table, hein, faire monter frais sur cette table-là. Et puis, il est fier, il passe sur un média. Ce sont les questions où Faiba Tounaye. Bon, hier, ok, on a compris que Vivendi m'était bien inquiété. Mais pour une organisation, il y a ouverture, tout le monde est en haut, il y a qui tourne ma casse. Et hier, moi, on a même émission à lobby. La plus grande manifestation, c'était l'ouverture. Pourquoi il y a un propriétaire qui a un placement qui tourne? Il y a un succès, il y a un bien. Pourquoi il y a un placement qui tourne? Il y a une ouverture, ok, il y a une fermeture. Peut-être que Vivendi avait calé la chronométration entre les artistes et aussi. Est-ce que Vivendi imposait aux organisateurs, les artistes, ou collaborer avec les organisateurs? Déjà, un sous-traitant n'impose rien. Okay. Nga, il m'est arrivé de collaborer pendant une année dans la société. Mon gonga zara sous-traitant na bango. Na sous-traitant c'est un autre année. Moi, je suis société zala batfo ba komba ka ba pangusaka. Nga na nolo kila bango ba société ba kana batfo ba komba ka ba pangusaka. Na me melara bango zaki sous-traitant na bango. Nga na zombo na bango nga na futi ba toi ba agent wana. Même nous, on a maman, on a un ONG, on a un menu, on a une sous-traitance. On a imposé une personnalité. On a proposé une telle personne, telle personne capable de faire ça, telle. On a observé, soit c'est bon, soit le monde c'est bon, soit il y a. Tu as besoin de 5 personnes, mais ton il faut que ça soit 7 personnes. Lui, c'était quoi sa proposition? Tu as la vérité. Les gars, en fait, ils se sont moqués de Ferré. La dernière minute. Là où ça, là, il y a ping-pong. Nous, on a dénoncé ça. Comment un artiste n'a trompe à faire? Tantôt, c'est le stade des martyrs. Tantôt, comme il parlait du peuple, il y a un chapiteau. Tantôt, besoin que c'est le stade des martyrs. Parce qu'il y avait un tâtonnement et insuffisance de moyens pour organiser la fermeture, chose qui n'était pas prévue. Il a aussi dit que ce n'était pas prévu. Donc, les bons emplacements, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Tu veux sortir avec les enfants. Aujourd'hui, on va partir à 5, voir les grands-pères. Alors, deux autres restent à la maison. L'autre fait les caprices, tout ça là-bas. Viens seulement, on va te porter. Parce que la voiture, ils en ont 5 places. C'est ce qu'il a fait. Alors, au grand jour, il est révélé que. Donc, ceux qui vous prévoient, pourquoi vous prévoyez qu'il place pour la férité? Donner des raisons. Il n'a pas de raisons. Parce que déjà, il ne maîtrise pas l'événementiel. On ira plus loin pour demander même c'est quoi son profil en termes d'organisation. Pensez-vous qu'à la place de M. Isidore, si c'était M. Jésus-Noël Cheke, on allait voir tous ces désordres-là? Je ne pense pas. Parce que l'avènement, il y a Pape Namboka Oyo et Tikabiso Namoko na moto. Tout le monde a comment M. Jésus-Noël Cheke a organisé l'arrivée à Pape. Tout le monde a nengé basala podium, tout le monde a nengé maambulekana, biso tout ozala satisfait. Mais francophonie, Vivendi satisfait à biso, après wana, c'est le désordre. Donc, s'il faudrait résumer le tout, mettez-vous d'accord. Qu'il se reproche de quelque chose. Okay. Il est passé dans les médias pour se dédouaner, pour nettoyer son image. Malheureusement, en principe, il était censé passer dans les médias pour répondre aux questions qui taraudaient les esprits et non pour se faire le bon, pour nettoyer son image et laisser derrière lui des questions et des questions. Très bien. C'est irresponsable de sa part. Très bien. Merci beaucoup. Mais bien avant que M. Isidore passe dans la politique, tout le monde a dit qu'il y avait des frères. Oyo Banda qui l'a été pour le cas de Ferrego, là, M. Gauthier, l'autre, M. Manis, qui aussi était pour Fally, pour pas. Pour M. Gauthier, il disait des vérités pour le cas de Ferrego, ce qui concerne les prouesses de Ferrego, là, M. Manis, qui parlait aussi de Fally, pour pas, qui aussi est venu avec des preuves, des trophées, l'énumération des trophées qu'a reçu Fally, pour pas. Mais, saute au Banalon à M. Gauthier,
il a tenu des propos peut-être un monsieur s'appelle ici bah warrior t bah meloman nous fait bonne musique t comme ça c'est normal fallait pour pas construire carrière naïe dans bah information à l'okuta aussi disque d'or au fallait azoir ils a peut-être parce que il a casé 50 000 exemplaires auprès des maisons de disques na France voilà qu'il a aussi ses envoyés au atindi bah on va bien de vérifier bah on a disque d'or aussi que l'artiste fallait pour pas construire carrière naïe dans la fausseté des informations qu'il a joué pour kosabatu qui est dans une disque d'or boé dans un trophée boé dans sala qui boé alors qu'il y a moi habité mon bois sur le banabatu et ça y a le kuta habité tant on l'anda qui est là bas propos voilà pour peut-être défendre faire ego là qui s'est produit au stade de Marti qui va se produire bientôt dans un concert dans un tournée qui peut-être un morceau sur les lots azali un éclairage makasi que les kafali pour pas sur le plan communautaire aussi international pourquoi pour mieux défendre Ferrego là, il faut nier ce que Fali fait. C'est la vraie question. Il faut bien avoir répondre. C'est-à-dire, on prend position. Voilà, moi, je veux défendre Ferrego là. Mais pourquoi pour défendre ces derniers, il faut nier ou marcher sur les efforts de l'autre, que ça soit vrai ou faux. Pourquoi il faut marcher sur ça? Peut-être parce que Ndekomanik, c'est une émission qui est le bonsoir. Le bagage qui va faire un local, un autre bagage local. Bah, musicien par Falinda international. Peut-être mais qu'il s'est senti lésé. S'est senti lésé, oui. Mais dans un débat, après, bon. Moi, je comprends. En fait, le vrai problème, ce n'est pas au Manix, au Gauthier. Le vrai problème, c'est l'émission, les plateaux Balekara. La thématique de l'émission, c'est Bosolo, la politique. À la limite, quand vous vous décidez de mettre sur un piédestal, Bato Basalara, communication sur la culture. À la limite, il faudrait que ça soit une politique culturelle débattue. Ok. C'est-à-dire, en fait, des émissions où on débat sur la politique culturelle de notre pays. Comment faire avancer la politique culturelle de notre pays? Comment projeter pour rehausser le niveau de nos artistes? Les messieurs qui disent que, voilà, les disques d'or de Fally est faux, les trophées de Fally sont des faux trophées. Mais à la limite, qu'est-ce que lui, en retour, il propose? Pour que bah disque d'or en est à la faute. Il n'a aucune proposition. Mais le lo oyo, ce qui fait très mal dans tout ça, c'est quoi? Il réussit quand même à embarquer quelques badauds dans son bateau. Il réussit à embarquer quelques personnes qui sont en réalité censées être intelligents, mais qui se laissent emporter par le fanatisme, qui au final rend ces gens-là bêtes et ignorants. Okay. Tu sais, hein, nous sommes dans une communauté où aujourd'hui, soit au place Bercy et Zalara, bah, quand on est à bah, voisin, peu bazar là-bas. Un voisin peut-être à 100 mètres, un soupe 300 mètres, hasard. Sauf que place Fnac et Zalaka. Au coup, tu as peu Congolais, Moussouba Zalaka. Mais plus loin, l'avènement de l'Internet a facilité tellement de choses aujourd'hui que tout qui était hier mystique ne l'est plus aujourd'hui. Tout à fait. Tout ce qui nous compliquait hier ne doit plus, en principe, nous compliquer aujourd'hui, Shadrach. Est-ce que vous avez dit que moi, j'ai lisé quelqu'un qui, en principe, s'est fait passer pour un journaliste, si vous voulez, qui normalement doit être intelligent, qui normalement doit être investi en termes et avant qu'on relaie l'information, il faudrait à la limite que ça la renquête et tout. À décrire Ferrego là comme quoi un artiste est un disque d'or, il y a Soneka, un disque d'or, ce qui y a, que je dis Soneka, il y a Sassem, tout ça là. Mais tu verras que Bato peut bazar humainement, bon, mais tout est ça là. Croire à cette bêtise là. Et ça, le coup là, moi, n'en ai eu à une andaku. Hein? Moi, n'en ai eu à une andaku. Yo, pesa, mi beko n'andaku n'anga. Moi, n'en ai eu à une andaku. Et l'amba, téléphone, et outil banda kouti en andaku. Non seulement il y a eu un téléphone. Yo, sa parents, si go. Et l'amba, on a eu bien entendu en wapi. Oh, papa, et l'amba, on a somba qui un jour en pharmacie. Et l'amba, on somba bien en pharmacie. Et ça, semblable à moto à lobby, na soit disque d'or, na sasem. Et comme t'as sommé lamba, na pharmacie. C'est-à-dire, dans une pharmacie, on ne vend pas les habits. On vend les produits pharmaceutiques. Une société de droits d'auteur n'octroie pas de disques d'or. Mais tu verras un journaliste qui s'est fait passer pour un intelligent, genre qui est censé, enfin, se faire passer pour un intelligent, c'est autre chose, mais qui est censé être intelligent. Mais ça permet quand même une telle publication. Comme quoi faire un disque d'or, certifié sur une SACEM, une SABAM. Nous, on a vécu avec ça. Il y en a bah, parmi bah, on a, bah, 10 disques d'or. Bah, genre, voilà. Mais aujourd'hui, puisque tout ça, la génération Oyo, il faut y aller, bah,
Naninde a censé à certifier. Mais je t'informe, le monsieur en question, comment il s'appelle? Gauthier. Gauthier ne connaît pas ces choses-là. Batounaye, comment est-ce que les disques d'or se calculent actuellement à éviter? Parce que tant que l'on a casé 50 000 dans la maison de disques, on a 4 ans, il y a une streaming peut comment compter la vente. À éviter. Maintenant, quand un. Enfin, quand quelqu'un qui ignore passe sur un plateau pour communiquer, il devient idiot. Ok. Maintenant, les récepteurs, biso bato total à la émission de la télévision, tu as obligé de recroire tout le monde à la télévision. Ok. Parce que biso bato tant que ça a peut-être des émissions directes, à ignorer qui deux trois détails échappés. Mais ils ont la possibilité ok qu'on vérifie. Le monsieur a dit ok c'est un faux disque d'or parce que les loyaux il y a 50 000 batounaye. Mais ils ont attendu que vérifier que non, on a un disque d'or en haut. Oh, il y a 50 000 exemplaires physiques. Ah, comment ça se passe? Ah, on a un streaming, peut comment? Ok, pour compter un disque, le streaming, il y a combien? On vérifie dans Google, Nyon Souza. Bon, même chose que non, autant de streaming est compté pour un disque. Donc, c'est que dans le streaming, il y a autant, la physique, il y a autant. Il y a un temps pour calculer le streaming, la physique, et puis autant. Ce genre de débat, en Europe, on n'a jamais écouté une émission d'analyse. Oui, puis pour Nanine. Parce que hey, ils ont une certaine. Moi, développeur, comment on dit ça? Moi, avance dans ma Kambouango. Okay. Bah, il y a déjà, Bartiste Bélé, déjà, bah, Zouango, ça fait plusieurs années depuis que le système existe. Mais surtout, tu as un peu de temps. Souffrez que même après 10 ans, les gens vont encore continuer avec ce genre de débat. Disque d'or, il y a vrai, non, disque d'or, il y a faux. Alors que bah nous n'est pas dans certification, c'est qui pour longo la bateau, na vrai, na faux. Quoi, il y a bien que même bah on coupe bah nous appelons bah disque d'or, oh bah on bah nous bah qu'est-ce qu'il y a faux, bah il n'est bon. Ok, pour faciliter la chose, donc créer la structure bah nous ça la suivi na comptabilité. Poser à ces messieurs pour avoir un disque diamant ou platine export, ça se passe comment? À éviter. À éviter. Poser lui. Combien compte un streaming, combien de streaming vaut un disque à éviter? Mais il passe quand même sur un média bêtement pour dire des propos. Oh yo, namoni bateau basa censé bah accompagner bah artiste bah Kendali Bosso bah se laisser emporter. Maintenant posons-nous la vraie question, Shadrack. Ceux qui sont bateau par exemple tous les fanatiques, il y a Ouera, il y a JB, il y a Ferré, il y a Kofi, il y a Robin Mundibs, Buna Filé. La sensi bah tendance n'y en sort. Tu le dis que ces messieurs là a raison. Parce que ton lingaka falité par exemple ton nimi na buzoba et rendre biso bête bah ignorant ouais. Quand est-ce que tu rebooster consommation na biso pour topé sakasi ferre na biso disque d'or? Impossible. Donc aussi longtemps les Gaulois vont continuer à croire des personnes aussi ignorantes jusqu'à ce niveau, ferre n'aura jamais un disque d'or certifié. Très bien. Alors côté Kayan Mekundekomanix qui généralise naba grand naba génération actuelle, 4e génération, 5e génération naba obabimi lelo azobenga bango tout ba loko sauf fali. Après ça rabène na même l'autre chose. Le vrai problème c'est les plateaux sur lesquels biloko wana ezolo bama. Parce que quand on maîtrise la matière on dit celui-là est un local, l'autre est un international. Na configuration ni ninde tolobi marambwana départ nenga ba kobeta ba concert le nombre ba concert libanda nombre ba disque ba kozwa kuna nombre ba certification nombre ya ba tournée si vous voulez ou autre. Les vrais problèmes ils en a plateau wana tant na zolo bango je parle na quelle génération? Parce qu'aujourd'hui on va dire en termes de génération polémique nenga à la congolaise awatis kweza Fally Ferré. Donc je peux comparer Fally Ferré dire que non, Fally est plus international que Ferré. Ferré est plus international que Fally. Mais dès lors que nous avons eu Kofi, JB, Ouera, na koti bango na sakwana, je dois aussi tenir compte de la réalité. Okay. On dit international, wana sur base à une tournée actuellement ou nombre de tournées depuis Bazalaka. Okay. Ce genre de questions ne viendront pas parce que Moto Azo Yamba Bango a maîtrisé Biloko wana te. On ne peut pas si facilement dire que non, Fally est international, Ouera ne l'est pas, JB ne l'est pas, Kofi ne l'est pas, tous les restes ne le sont pas. Oui. Mais sur base, il y a critères nini, n'est-ce que l'objet fallait à l'international. Sur base, il y a disque d'or certifié, oui. Sur base, il y a le nombre de tournées actuellement, oui. Mais lui, il a les vents en poupe. La génération, il y a une chose à l'angobo. Tout le monde est là, Fabregas, Ouera, pardon, Ferré, Héritier et les autres. Tout le monde est comparé à l'angobo.
à l'époque, on a Jibé. Tu as le compté, on a bêti combien de concerts de banda, Jibé a bêti combien de concerts. Mais actuellement, il fallait bêti combien, faire bêti combien. Mais dès lors que beaucoup ici, ton moussous n'est à côté de ça, ça crée aussi un désordre. Okay. Donc automatiquement, ça expose l'ignorance ou l'insuffisance des matières. Il y a mon pandi sango Israël. Très bien. Parce que si mon pandi sango Israël, il y a pas qui va question pour tout, même de quoi encore le bakeno, fallait ajouter ça sur les mensonges et tout. Alors qui même a aidé à comprendre que s'il y a un menteur dans cette histoire, c'est d'abord toi. Okay. Parce que tu viens dire des choses sans élément de soubassement, sans explication, sans preuve. Parce que imaginez que M. Isidore a l'équipe même n'a pas preuve tellement malobi. Bon, à combien plus forte raison des citoyens qui se font un plaisir dans le plateau Morobo. Donc moi je crois aujourd'hui les sérieux problèmes que nous avons dans le milieu de la musique ezali kaka politique culturelle, mais aussi aider les artistes et musiciens à faire la différence entre la polémique et la réalité. Tout à fait. Mais quand est-ce que vous allez le faire d'autant plus que bande quoi non bah on sent la polémique bah on linga bolo bah réalité t'es sur une moto à l'équipe et nakata réalité. Très bien. Il y a 11 mois que moto mususu mopandi sango maléki na télévision ben ouais faire un canal d'or. Mais pourquoi bolo bela canal d'or lelo? Ça remonte près de 10 ans parce qu'il y a un représentant, au moins que je m'abuse, monsieur Banza Mukalai. Tant que Banza Mukalai a été ministre de la culture, je ne sais pas si vous avez fait ça. Canal d'or, un trophée camerounais. On est bien d'accord. De même, il y a un Nigeriais, un États-Unis. Trophée Zara par rapport à la zone où on a un concurrent, où on a un voté pour les cannes. Mais pourquoi vous insistez sur le fait que Canal d'or est sérieux et de l'autre côté, il y a sérieux? Je crois que ce genre de débat, il y a bas échelle. Il faut aider même les gens Israël, pour descendre les artistes sans argumenter, pour dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Comment il s'appelle encore? Comment les gens qui m'en rappellent? Ndeko Gauthier, c'est un média. Avant, il évoluait beaucoup plus à la politique. Qu'est-ce qu'il a fait de son profil sur le plan politique? Quel est son impact dans notre communauté sur le plan politique? Nada, zéro. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Actuellement, les Gaulois sont un peu réveillés. Du fait qu'ils ont fait les stades des martyrs, du fait qu'ils ont fait la francophonie, du fait qu'ils sont maintenant autour de leurs artistes, hein, et eux, ça, là-bas, moi, bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour me placer dans la communauté? J'aurais du mal à parler des Fally, parce que là, ça va me débander, il y a Rubim Saba preuve, mais en moi, ils ont maîtrisé. Accompagner Ferrego, là, ça ne me demande pas beaucoup trop d'exercice. Qu'est-ce que je dois faire? En bloc, Kolobakenyon, Sofalia Salara, Zalokuta, j'aurais les Gaulois derrière moi. Okay. Il y a un commissaire visible. Combien de fois déjà, vous avez une émission moi, sali, où il a impacté la communauté sur le plan politique, dans l'article à Komara, dans tout ce qu'il fait? Zéro. Voilà pourquoi ce genre de personnes, Bayakawana pour distraire Bandekonabiso Bagolois. Okay. Aussi longtemps ce genre de personnes vont exister, Ferre aura du mal à décoller parce que bah, vous utilisez Biloko Bayébike, Bouana pour ça au Yoka. Mais Biloko n'est pas la réalité. Bah, il va utiliser le psychologie à la fanatique. Bah, il utilise la psychologie à fanatique. Bah, il va malmener. Bah, il y a une manette. Moi, je suis en train de play. Il y a une manette. Tout ce qui se passe à la télé là-bas, ils ont eu un commandant. Si tu as une manette, ils utilisent la formule respectée par Baron. Ils commencent à malmener les Gaulois. Tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a raconté, c'est faux et archi faux. La preuve, il aura du mal, même si vous lui donnez 10 ans. En courant, il y a une référence T. Que non, voilà, un disque d'or non certifié. On va poser la question. Mais si le disque d'or est fake, mais pourquoi le site qui est censé certifier, bah, posta. Pourquoi ça fait plusieurs années, l'artiste et tous les analystes et chroniqueurs du Congo n'ont pas su voir ça? Ça, c'est la bassesse à la congolaise. Voilà pourquoi certains artistes congolais ne décollent pas. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de chuter, toute une question à Souk, à ce qui concerne l'appréciation des Ferrego là, qui déjà s'annonce soit la fin de cette année, soit l'année prochaine, à l'hôtel Accor Arena, Bercy, où il avait pressé très précédemment l'artiste Fally Ipupa. Mais il y a une question qui se pose autour de ça. L'artiste a posté na page Naïe qu'il va jouer, et plutôt a posté aller 6 et 14, qui montre, qui marque aussi. Station ou arrêt bis à Accor Arena. Accor Arena, ouais. Voilà. Alors, Tomoni, te belé dans ma publication, ma source d'information, que l'artiste souhaite jouer la fin de cette, souhaite rester à Accor Arena à la fin de cette année. Plus précisément, la même date que Fally Ipupa, le 25 novembre.
Donc, tu éviter ce qui est information, il y a solo to information au artiste Azoluka. C'est pour quel intérêt? Créer la diversité qu'avait avant, on est tout le monde à Bafikina, à Bafara Fara, Koto Fale Azobeta, Koto peut faire Azobeta, Toka Ande Fale Abeta qui stade, y'a pas l'inga beta, stade n'a beta qui peut stade, ou pas Fale Azobeta, You Arena, y'a pas l'inga beta, Core Arena. Donc, tout ça là, c'est peut-être pourquoi. Après, moi, je pense que ceux qui, déjà, dans l'Andaka, ça chargeait des presses ou communication, je sais pas. À l'écart des chargés de presse, notre sœur de l'Europe, elle aura tendance à l'écart dans l'émission. Il y a mamie, il est là. À l'obélé, déjà, on va ôter la cour arena. Bien que même dans l'émission, ça a l'air à l'obara, Paris la défense, You Arena. Bon, et après You Arena, en haut, ma quelle est la concert à Falaise, à mon macassi, c'est normal, bah, toi, remis, qu'on confondre. Donc, bisous, déjà, toi, on est causé là, faire à bête à Paris, ôter la cour arena, au Bercy. Ce qui date, c'est Bimi. Ça va faire une très bonne chose. Vous savez, pour caca. Même les Gaulois n'ont pas encore compris quelque chose. Si pas l'artiste, mais les fanatiques. Parce que les loyaux, l'artiste, je ne sais pas comment la goût et l'excellence pour les fanatiques, je ne sais pas pousser à la baron. Moi, je soutiens l'optique que les Gaulois ont soutenu. Ok. Mais j'aimerais juste que l'on soutien à la consommation. Ok. La consommation est le meilleur soutien au baron qu'on peut s'affaire. Tout à fait. Au lieu de soutenir Kakabi, surtout soutenir le t-shirt, tout ça là, ça ne fait pas rentrer de l'argent, pas artiste. Ça ne fait pas tourner les profils d'un artiste, des grandes carrières, le quoi faire. Okay. Il faudrait à un certain niveau qu'ils apprennent à consommer l'artiste. Aujourd'hui, le système, les jeux se jouent sur quel terrain? Le terrain, il y a streaming, vente à ligne, bah YouTube, banning, tout ça là. Vous êtes où pour faire ça? On nomine tous les artistes ici, c'est Inos B qui est voté par les griffes, vous n'avez pas voté. Vous n'aviez pas voté, pourquoi? Posons cette question. Donc, le soutien ne doit pas seulement être là où on parle de Fali, vous venez là pour insulter. Le soutien ne doit pas seulement être là où on parle de Fali, même si on vous ment, vous venez là commenter. Mais le meilleur soutien serait de voir les Gaulois réunis autour de Fali Gaulle en tout et pour tout. Okay. Quand ils sortent un projet, vous consommez. Quand ils annoncent une date, faites du bruit autour de ça. Quand il est nominé quelque part, récupérez les liens, postez ça dans vos groupes, boostez les amis, poussez les gens à voter votre artiste. Ça serait les meilleures manières, n'est-ce pas? La meilleure manière, n'est-ce pas, d'accompagner ou de consommer l'artiste. Les lots aussi ferait, par exemple, d'habiter stade, les bawata babeta qui tout ça là. Les uns voudront en tout plutôt mes mangos polémiques. Concert y a fallu, concert y a fait. Mais au moins cette génération, à un moment donné, il faudrait tout comprendre. Puis moi, bah, mon bébé, je pense que dans la prochaine émission, tu vas t'en sur la soyango. Et c'est le qu'on a constaté, plus Natal a qu'on va partir à Liban, dans mon angobo. Ok. Hier, Biboya Boya, Ouera, Boya, Jibé, Jibé, Boya, Ouera, c'était ça. Ouera ne pouvait pas tenir un discours. Ouera, il y a ça, la loco là. Ils ont réuni une génération Mouboué. Mais les mêmes messieurs qui prétendent passer sur un plateau, dire que non, voilà, Fali, Azan, la communication, il y a ceux qui ont orgueil, tout ça là. Mais c'est les mêmes Fali, dans le plateau, Popol, nous passons là, qui nous dit, non, non, mais tu as un stade de martyrs, on a retourné en haut. 80 000, on a retourné, on a dit, ah. Habité quand on a été banamai tout la génération n'a pas payé baro l'écran baro retourner payango. Qu'est-ce qu'il voulait communiquer? Il voulait simplement dire aux vieux bon tika kotse biso netike bo l'équipe biso génération non génération ba bosser baza atuni ba vieux ba nobetani na banzembo na bilamba biso pe loto na ni banzembo na bilamba. Il parlait au nom de toute sa génération. Pendant que vous vous attardez sur la polémique entre Ferre et Foaz Alaka, l'équipe Falié, moi, pas souhaite l'équipe, on est belé. Mais l'autre tient des discours qui ouvrent les portes. Okay. Ça va faire plus de 10 ans, aucun artiste avait la possibilité de se produire en Europe, dans une salle aussi mythique. Il a fallu que Falié apporte préfecture plainte pour que préfecture ait sa condition. Ok, puis tu aurais quoi annuler ce concert en Moutouté, mais ce qui est évolution, c'est la billetterie, de Tobanda, quoi annuler. Des salles que avec Ozonga concert le conseil humanitaire babo yango même. Deuxième concert Ozonga hôtel à Core Arena à Beta. Et depuis là, ba concert Ozonga la peut-être. Tout monde ira au Beta en Angleterre. Yona zo Ozonga Paris la Défense Arena. OK en Angleterre faire yona ba Beta sur solo hôtel à Core Arena. Pendant que vous vous attardez sur des discours séparatistes, l'autre est toujours dans les discours qui vous réunissent et toujours dans des choses qui créent des possibilités pour toute la génération. Qu'est-ce que nous sommes censés dire à la télé? Okay. Qui est dans les discours séparatistes? Qui est dans l'orgueil? Qui est dans les matus vus? À un moment donné, au moins on appelle les Congolais qui sont en réalité censés être intelligents,
se range derrière cette bêtise-là pour accompagner la bêtise au nom de l'appartenance, au nom il y a fanatisme, alors que le fanatisme est censé être utilisé pour soulever les artistes, pour consommer les artistes, et non rester dans des dogmes. Oh, ils ont mabino na buzoba. Ça encore, moi, je suis plus que clair. Okay. Faire ces produits à l'hôtel Accor Arena, je soutiens bec et ongle. Pourquoi je soutiens? Ça va permettre à ce que ma vieux balobara Bercy, ma mission, ma bête à côté, tout comme la banque au moins mi balé. Fallait bête à couna, deux ans en haut, trois ans coquille, aucun autre à bête à couna. C'est pas normal. Alors que c'est grave, ouais, Zaki, ouais, Rabetti, j'y même bah mon frère à l'oukabeta. Confisso à bête, bah ouais, Rabalouki, maman, bah bête. Et ben nous, on va 10 ans, bah 70 ans. Mais pourquoi les lots? Parce que l'autre, Azaki, n'a moins perte à vitesse. Mais à l'époque, on a dit que toujours à ma casse. Les lots, on a dit que c'était à la mouki. Moutou à la mouka, soit à la lagi, soit à la lagi, t'es à la mouka. Soit à la mouki, n'est ni yé, moutou boulouba, y a tira la koula la tête. Tout ça là, ils ont bien distrait en bateau pendant plusieurs années. Mais qu'on n'a plus loin. Pour un bateau, on a une hypothèse comme quoi que non, lui aussi, il veut jouer les mêmes 25. Ils ont un petit peu de Mbela Mouninga. Et pourquoi pas le bon? Parce que le 24 juin, on a date. Ah, on a dit date, on est tellement quitté que tout le monde a dit. Y a un moni, tant que roga, tu as payé Moussous. On a dit que tu as roga. Tout le monde a marqué à Ouz, on a dit que tu as roga, tu as dit que tu as roga, même aspect physique, tu as dit que tu as roga. C'était autour de la date. Deux concerts dans deux pays différents, mais ils ont insulté les autres. Maintenant, si on a la logique, na bango. Comme tout se joue dans la date, tant que Batali le 24, bah on va bêti plein, Rogue a bêti plein, on va comprendre que ce que derrière les dates, il y a un jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre va jouer le 25, Bissopé, le même 25. Okay. Comme ça, la date va nous favoriser. Autour de la date, il y a une certaine chaleur, tout ça là. Alors que c'est une erreur grave. Sauf si il y a un concert comme Basagna Stade des Martyrs, où à un moment donné, il faudrait laisser l'entrée free. Mais ceux qui ont la concert avec billetterie, c'est une erreur grave. Toi, moi, je doute. Moi, doute, on le toi déjà les 16 ans. Bon, les 15, c'est les 16, oui. Nous avons même date à la tête. Toi, les 16. Donc, il nous reste pratiquement 14 jours pour moins ça l'année. Et si là. Ceux qui ont été si, les trois, c'est moi. Septembre. Ah. Si vous avez un espace à temps où vous allez créer la billetterie, mobiliser les fans et aussi passer la vente. Parce que la vente. Et ça, mané, ça a été que moutou que banole que ça m'a quelle l'été que la bat pas bien. Mais qu'on a la porte bleue, on est salamate. Bah, on dit y'a aucun amour pour la tapage. Donc, qu'on est à la billetterie en ligne. Aucun site y'a salle, aucun site y'a Fnac, aucun site y'a revendeur. Au sommet en ligne, bâtine le lien au télécharger billet na yobimi. Ou y'a on est rendu na aboué. La personne vient en avion boule à HD, la mère depuis le 001 beauté. Parce que mélanga ba billet à hôtel il y a Paris la Défense Arena. Via tindelanga ba billet. Donc et là que ça que sur le plan numérique on a billet ça na combo na na maramutu. Même si on ta sombelio mais on a billet tout ça là. C'est ce qu'il faut bande ko ba tenir compte. C'est bien de faire les choses mais il faudrait toujours se dire qu'on ça la part des choses. Un concert à la congolaise autour d'une date on peut faire du bruit sur terrain au YP et betami na ngoso to fond le porte. Mais kuna tang ba to ba bando ya olandela évolution à billetterie. Et aucun des autres comme les autres comme les autres comme toujours à concert ce qui est tonité bah ouais ce tonité tout ça là va encore amoindrir l'artiste. Ferregola vient de faire un carton plein à Kinshasa, mais qu'est-ce qu'il est censé faire d'autre? Tolobi va défier Zébélé, il doit remplir ces défis là. Si il se décide aujourd'hui de prendre la route à bas défi, c'est une très bonne chose, mais à quoi sert bon de se lancer dans un défi ouais beaucoup réalisé? Okay. Alors que tu as le temps de tout préparer et de tout arranger, de tout mettre dans un bar à mettre toutes les batteries en marche pour réussir sur la chose. Donc voilà pourquoi moi je pense que ceux qui vont se laisser emporter dans leur propre système, c'est leur propre système né ou cassé. Tu vois les bons souvenirs que les gens ont sur la tête, sur les plaines, il y a Stade de Martyrs. Et quoi que l'on a à Bercy. Et quoi que l'on a à Bercy, c'est jouer un concert, n'est-ce pas, à un mois à Bercy. Soit c'est faire un exploit, soit c'est échouer, alors lamentablement échouer. S'il compte sur Gims, laissons-nous dire ici quelque chose aux amis gaulois, que Gims n'a plus la place. Voilà pourquoi il a même annulé certains de ses concerts na Poto. Parce qu'il n'a pas été habillé. Il est désavoué qu'on a pas joyeux Noël, il n'a pas souhaité en haut, parce qu'il y a un musulman, pour n'a pas un discours à tenir sur le président français, ainsi que sa femme.
bah français va désavouer facilement. Et bangokuna Johnny Hallyday même na période bon il a connu la même chose. Il était obligé de transférer tous ses comptes à Belgique parce que France va comment qu'on taxe bablo on encore qu'on désavoue qu'on s'allait pas m'embêler. Donc ne comptez même pas sur lui. J'aimerais que Ferre puisse prendre son temps de préparer Bercy. Sinon, et voir on a un bon souvenir toi on va stade pour Saint-Pierre. Très bien. Merci beaucoup Thierry Mombaya. Je pense que vous avez suffisamment parlé, répondu à nos questions. Je crois que Bandebele, Batalio, Sepeli et surtout la passage en Afrique et la télévision. Alors, dans tout ce qu'on a eu à parler, qu'est-ce que tu vas dire comme mot de la fin et pour clôturer cette émission? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, la foule n'a pas d'âme. Mais il est temps dans la foule que nous essayons tant soit peu à laisser de l'espace aux personnes qui ont quelque chose à dire. Très bien. C'est très important. Surtout dans les milieux fanatiques, hein, Warrior, Gaulois, Spiritas, je ne sais pas moi, quel autre mouvement. Il faudrait vraiment que vous appreniez à consulter les personnes qui ont quelque chose à vous donner. Okay. Ne pas se laisser emporter parce que l'autre s'est touché au côté le plus sensuel de votre mouvement. C'est-à-dire quand ils font ça, ces gens de journalistes qui passent dans Babosso, dans la politique, dans Messieurs Isidore, tous ces gens-là, quand ils font ça, ils savent ce qu'ils attendent. Ils font ça pour leur fin. Aïe, et puis on a ça, bateau, on s'est laissé emporter dans Nga, et j'aurai beaucoup plus de lumière autour d'Anga, et ça va faire taire autre chose. Il y a un peu de mabino, maintenant, beaucoup m'a cultivé. L'adversité entre chaque artiste et musicien congolais aujourd'hui, ceux qui ont commis ça en profitable, les Gaulois, ils ont été les Warriors, ils ont été les Bandoyos, ils ont été les Spiritas, ils ont été les Gaulois, ils ont été d'ailleurs, ils ont été les Mais ce qui est adversité na bango à l'interne et comme il bénéfique dans tout le banan et que chaque fanatique a comme consommateur et artiste tu recommandes la facilité à redéfier ba ta musique à mboka mususu. Nous avons encore les anglophones en face de nous. Et face à ces anglophones faire nano comité. Au lieu de nous attarder sur les rois du 24 sur la francophonie, arrangeons-nous de façon que l'album de Ferre qui arrive cette fois-là et ça là un album ekolongola biso na polémique au bazo sekabiso. C'est-à-dire que tu as retourné à consommer. Tu as pris un streaming l'icolo. Bon, tu as là où vous êtes fort. Non. En français, on appelle ça s'endormir sur ses lauriers. Je suis fort na Boom Player. Je ne fais que vanter ça. Non. Na ba streaming, Boom Player. C'est toutes ces choses-là. Au moins, ba streaming, si tu es achat en ligne, ne peux permettre surtout qu'il y a la musique. Dès lors que tu as côté, les émotionnels, les sensationnels, mais les consciencieux, bah ouais pour aider Bino pour booster ma carrière et à chaque artiste. Imaginez si faire à t'aurais monté niveau là. Imaginez si on t'aurait monté niveau à Wata. T'as eu fallu place à ça t'aurais monté les sous-sous. Et que l'artiste même chose t'as eu qu'on remonte bango. Et que l'on a bas doute oh bah les qui n'a bango le col là bah déplique bah nango bah zo douter est-ce que ça la mamba solo bah comprendre que ah ngazara penda proche à falité mais je suis proche à faire. Mais la manière dont la monique faire à comprendre que ça penda à solo c'est que ça ma kamba solo. Ainsi, nous allons sauver notre musique. Pourquoi je dis sauver la musique? Simplement parce que la musique congolaise a été une musique pilote pendant plusieurs années en Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cette place-là face aux Nigériens et face aux Ivoiriens. Pourquoi face aux Ivoiriens? Pas avec leur musique, mais avec la plaque tournante. Aujourd'hui, tous les artistes des Africains font un tour là-bas. Simplement parce que ça tourne là-bas. Vous avez le numéro 1 de l'Afrique francophone ici, mais la plaque tournante est là-bas. Donc, nous avons un défi. Très bien. Très important. Merci beaucoup Thierry Mombaya. Je pense que tu as mis vraiment dans la émission à Bissau. Est-ce qu'il y a une dédicace à ses alliés comme ça tout le temps? On va dire bien de bonnes choses à notre maman. Merci pour la première dame de Lausanne. Merci notre petit frère Ridjandi Louawa, un enfant pas comme les autres. Grand prêtre Gobelisha, tu peux essayer de Mbote Bélé, Bernard Chamala depuis au Nairobi. J'espère que ça va être. Salutations comme ça, Mirai Flore Oyona, Iran Biuma, Yolande Negra Rara. Qui d'autre? On va dire bien des bonnes choses à Yab, bébé Mayo, chez Mayo officiel, Nadine Mayo. Les gros bisous à Iriel et Iziel. Salutations à Yabovic Mayo. En tout cas, toute la famille Mayo, tout le monde, Bambo Tebele. Je dis également comme ça, bien des bonnes choses. La team Nyon Sotoye Bakongo, Bams Joe, Mister Roro, ainsi que Patrick Bawang, le greffier. Et merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup Thierry Mombaya. C'est la fin de cette émission. Je dis merci à Bande Retour, au Balanari Bousso, au Bazaki Foma Passion et à Routa Labisso, Routa Nabandeliti Nasuka. Merci à Dany Chan de l'échelon congolais, notre frère, notre partenaire qui est déjà à Kinshasa. Bon séjour à Kin. Aussi à maman Josiane
premier échange du bon séjour aussi à Kinshasa. Je dis comme ça merci à Valopin du Tour d'Europe. Un grand merci mon frère. Pourquoi pas aussi à Jimmy, Bella ou Yaya qui est déjà à Kinshasa. Merci beaucoup Togouta Nagina Sepelaki. Aussi à Maman Emily Zemba et à tous les peuples en Betolo. La PCO Bambo Tebele, Karim Manessa British, Bambo Tino Yamwana, LVK Yamotema Rumela, la PCOP Bambo Tebele, place au Rita Abisso depuis 001, et puis on est retour au Balima Chavac, Bambo Tenabino, c'est la fin de cette émission, à la prochaine. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission d'ailleurs. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.